Et puis en sécurité et défense, sachez que l'armée brésilienne a formé certains militaires congolais en stratégie de guerre dans le combat en jungle. Il s'agit au total de 173 officiers, sous-officiers et soldats de rang du 41e bataillon. La cérémonie de clôture a eu lieu ce mercredi à la base de la MONUSCO à Mavivi. Erika Somouissi. L'objectif de l'armée brésilienne est de rendre efficaces les forces armées de la République démocratique du Congo dans tous les combats de jungle où la densité complique les manœuvres. Pour le chef de bureau, MONUSCO Beni Lubero, la formation avait tout son pesant d'or. Nous sommes, comme vous le savez déjà, dans une région couverte par une forêt dense où souvent il est difficile à détecter une présence humaine. Et c'est dans ces zones que souvent l'ennemi s'installe pour organiser ses activités criminelles. L'ennemi qui connaît la région pour s'y être installé depuis plus de 3 décennies a choisi malheureusement une guerre plutôt asymétrique. De son côté, le commandant de la 3e zone de défense, le général-major Falsi Kabwe, a invité les récipiendaires à être proactifs pour neutraliser complètement les ennemis dans la zone. Sachez que la République démocratique du Congo n'oubliera jamais ces moments et ce travail que vous avez accompli ici à Béni. À vous les récipiendaires, officiers et soldats, continuez à vous entraîner. Un commando doit toujours être prêt à tout moment. Continuez à vous entraîner jusqu'au combat. À vos compagnons, avec lesquels vous avez subi la même formation, mais qui nous ont quittés avec honneur, c'est-à-dire sur le champ de bataille. Pour nous qui portons cette tenue, l'honneur réside à servir la nation. Béni, Erika Smoussi, Biouane.